15 mars 1921 à Berlin, un homme est abattu d'une balle dans la tête en pleine rue. Le tireur, un jeune étudiant en mécanique, est arrêté quelques minutes plus tard par la police, après avoir été molesté par la foule. Le fait divers mobilise la presse allemande, mais également la presse internationale, car la victime, Talat Pasha, est l'ancien chef du gouvernement turc et son agresseur, Sorowan Tehlirian, un jeune Arménien. Quelques semaines plus tard, le procès Tehlirian s'ouvre dans l'agitation. Le palais de justice berlinois est bondé de journalistes, de curieux et d'avocats ayant délaissé leurs affaires pour assister au débat. La rumeur présage que les audiences vont offrir une tribune à la cause arménienne qui, depuis les massacres de 1915, pourtant largement rapportés dans la presse de l'époque, n'a guère mobilisé l'opinion internationale. La séance s'ouvre avec l'audition de l'accusé. Tehlirian s'adresse au président. Il raconte comment, sur les ordres de l'ex-premier ministre turc Talat Pasha, il fut déporté avec toute sa famille 6 ans plus tôt, comment il a assisté au massacre de sa mère, de ses sœurs, et comment, laissé pour mort, il s'est retrouvé au milieu des cadavres des siens. Il conclut sa déposition en déclarant: « Je ne me crois pas coupable car ma conscience est tranquille. » Le président: « Pourquoi votre conscience est-elle tranquille ?» Tehlirian répond: « J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. » La liquidation de Talat, c'était quand même quelque chose de merveilleux. Enfin, c'est comme si quelqu'un, un juif quelconque, jeune, avait eu la chance de mettre une balle dans la tête d'Adolf Hitler, quoi. Exactement pareil. Pour les Arméniens, Talat, c'est exactement ça. Dès sa première intervention, Sorowan Tehlirian change la donne. Lui, l'assassin, il se pose en victime et conduit le tribunal à s'interroger sur la culpabilité de Talat Pasha dans les massacres des Arméniens. Le public est ainsi entraîné dans l'histoire mouvementée du peuple arménien au temps de l'Empire ottoman. Un empire qui, au tout début du XXe siècle, s'étend encore sur 3 continents. On a oublié que l'Empire ottoman, au début du XXe siècle, n'est pas à 100% musulman. Il y a à peu près encore 30 à 40% de non-musulmans, des chrétiens orthodoxes comme les Grecs, des Arméniens apostoliques, des catholiques, des protestants, des juifs. Donc l'Empire ottoman n'est pas homogène, c'est un empire. Les non-musulmans sont dans un statut de sujet de deuxième zone. Tout ce qui est politique et militaire est réservé aux groupes dominants musulmans, et les groupes dominés, essentiellement chrétiens, sont reversés dans les missions de commerce et de production. Dès les prémices du nouveau siècle, avec la modernisation de l'Empire ottoman, ce statut de sujet de deuxième zone va connaître une évolution notable. On a vu des artisans grecs ou arméniens se transformer en entrepreneurs, donc acquérir une certaine prospérité. Ces mêmes entrepreneurs envoyaient leurs enfants se former dans des universités en Europe. Et globalement, un déséquilibre socio-économique a commencé à s'accentuer entre le groupe dominant et le groupe dominé. Les Arméniens réclament ainsi l'égalité des droits pour contribuer à la vie politique et administrative de l'Empire.
Parmi les partis qui les représentent, la Fédération révolutionnaire arménienne, ou le parti Tachnak, va prendre une place prépondérante. C'est donc un parti qui n'a pas pour but l'indépendance. Ça reste une sorte de demande d'identité, d'autonomie, davantage de pouvoir, d'organisation d'une communauté qui a été longtemps écrasée, etc. Mais le sultan Abdulhamid II, hostile à toute réforme libérale, choisit la voie de la répression de masse. Face à cette tyrannie, les Arméniens trouvent un allié dans le parti Jeune Turc, un parti également décidé à sortir l'empire de l'archaïsme. Talat Pacha milite dès ses plus jeunes années dans ce mouvement qui s'inspire notamment de la Révolution française. Il va en gravir rapidement tous les échelons. C'était un parti révolutionnaire qui avait pour objectif d'instaurer une monarchie constitutionnelle dans l'Empire. Donc, un parti qui visait simplement à s'entendre avec les autres groupes ethniques de l'Empire. Et qui avait même signé un accord avec le Parti révolutionnaire arménien en 1907, lors d'un congrès à Paris, un accord pour combattre ensemble le régime autoritaire d'Abdulhamid. En juillet 1908, les jeunes Turcs conduisent la révolution contre le sultan. Ils imposent le rétablissement de la constitution et l'élection d'un parlement. Les Arméniens et les jeunes Turcs se retrouvèrent ensemble dans les rues, marchant bras dessus, bras dessous, chantant la Marseillaise, la chanson des révolutionnaires nationalistes français. On a beaucoup de cartes postales, de photographies où on voit les foules en délire, avec des écriteaux dans toutes les langues, en arménien, en ottoman, en grec, sur liberté, fraternité, justice. Ça constitue un immense espoir pour l'ensemble de la population qui se dit « enfin, nous sommes libérés du joug tyrannique et archaïque du sultan Abdulhamid ». En Europe, par exemple, des gens comme Jaurès applaudissent à l'arrivée d'un régime qu'ils imaginent progressiste. Et effectivement, il en a toutes les caractéristiques. Les jeunes Turcs remportent largement la majorité des sièges au Parlement lors des premières élections. Talat Pacha devient ainsi député avant d'être nommé ministre de l'Intérieur et secrétaire général du parti Comité Union et Progrès. 13 ans plus tard, le public allemand assiste au procès de son assassin. Le président appelle Madame Dittmann à la barre, une voisine de la victime. Elle habite juste en face du domicile de Talat Pacha et confirme être également la logeuse de Tehririyan. Le président lui demande si elle a remarqué quelque chose de particulier le jour du meurtre. Madame Dittmann déclare que ce matin-là, le jeune homme avait pleuré mais qu'elle n'a rien remarqué d'autre. Elle n'a jamais eu à se plaindre de ce locataire très convenable qui jouait de la mandoline. Quand il était seul, elle l'entendait souvent fredonner des chansons nostalgiques. Elle dit l'avoir interrogé une seule fois sur son pays et sa famille. On sentait tant de douleur à travers ces mots que je n'ai pas osé insister, conclut-elle. Cette douleur que porte ce roman de Tehririyan, ce n'est pas seulement celle de la perte des siens, c'est aussi celle des espoirs déçus de tout un peuple qui avait cru à la révolution de 1908 et aux réformes annoncées par le parti Jeune Turc. Ils firent de nombreuses promesses aux Arméniens, aux Grecs, à toutes les autres nationalités. Ils auraient leur propre langue, leur propre autonomie, leur propre droit démocratique. Ces promesses vont rester lettre morte, car la volonté des jeunes Turcs de moderniser le pays est guidée par une idéologie importée d'Europe, le nationalisme, qui va s'avérer être un poison particulièrement détonnant dans le cadre ottoman. On passe d'un modèle
impérial multiethnique à un modèle d'État-nation. Et dans l'esprit des jeunes Turcs, l'État-nation, c'est un État-nation turc. Donc, il y a une logique d'exclusion de tous ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas entrer dans cette logique de construction d'un État-nation turc sur le modèle français. Avril 1909. 10 mois seulement après l'instauration du nouveau régime, des massacres surviennent en Cilicie et notamment dans la ville d'Adana qui vont faire 30 000 morts parmi les Arméniens. Le doute s'installe sur les intentions démocratiques du nouveau pouvoir jeune turc. Le terroir arménien, ces provinces orientales, se vident de leur population arménienne. Les gens fuient l'insécurité, voire la famine. On a déjà 120 000 Arméniens aux États-Unis à la veille de la Première Guerre mondiale, une 30 000 en Égypte, autant en Bulgarie ou en Roumanie. À Berlin, au procès du tueur de Talat Pacha, on en vient à la question cruciale de la préméditation. En effet, selon la loi allemande, si la préméditation est avérée, Tehlirian risque la peine de mort. L'accusé plaide l'absence de préméditation. Il explique qu'en venant en Allemagne pour suivre ses études, il ignorait que Talat se trouvait à Berlin. Il l'avait rencontré dans la rue par hasard et depuis ce jour, le cadavre de sa mère n'avait plus cessé de le hanter, son spectre venant lui parler en songe. « Tu as vu Talat et tu restes indifférent. Tu n'es plus mon fils. » Ce sont ses visions et les crises d'épilepsie dont il souffre depuis les massacres qui l'ont conduit à tuer Talat Pacha. Le conseiller de justice Schultz vient alors à la barre contredire la version de Tehlirian. Il affirme que lors de son arrestation, l'Arménien avait déclaré être venu en Allemagne dans le but de tuer Talat Pacha. Pour preuve, son installation en face de chez lui, pour les pieds. Tehlirian reprend la parole et déclare n'avoir aucun souvenir précis de l'interrogatoire auquel le témoin fait mention. L'interprète Kaloustian vient alors confirmer les dires de l'accusé. Traducteur des premiers aveux du jeune Arménien, il déclare que blessé à la tête lors de son arrestation, Tehlirian était encore sous le choc. Ses déclarations étant sujettes à caution, le témoin reconnaît avoir refusé de signer le procès-verbal. Les aveux de Tehlirian sont finalement déclarés irrecevables par la cour. La preuve de la préméditation du jeune Arménien écartée, c'est une partie de l'accusation qui bascule. En 1912, dans l'Empire ottoman, un événement dramatique va tout faire basculer, la guerre des Balkans. Un conflit initié par les peuples chrétiens d'Europe qui aspiraient à retrouver leurs frontières ethniques, mises à mal par le découpage impérial. Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro réunis en une coalition attaquent sur plusieurs fronts l'Empire et sortent rapidement vainqueurs. Within 1 week, 1912 October. En l'espace d'une semaine, en octobre 1912, les Ottomans ont perdu près de 75% de leur territoire en Europe. Ce fut un terrible choc pour eux. De plus, tous les membres du comité Union et Progrès, tous les jeunes Turcs qui appartenaient au gouvernement, tous les leaders du parti étaient originaires des Balkans. Et en l'espace d'une semaine, ils ont perdu leur terre natale. Cela a été un énorme traumatisme pour eux. Et tout le monde savait qu'après la perte des Balkans, viendrait le tour de l'Anatolie.
Aussi, le parti Union et Progrès en a tiré une conclusion très claire. Il n'est pas possible de vivre avec les chrétiens dans ce pays. Le 23 janvier 1913, un triumvirat issu du parti Jeune Turc, composé de Talat Pacha, d'Enver Pacha et de Cemal Pacha, s'attribue les pleins pouvoirs par la force. À la tête d'officiers radicaux, ils chassent les membres du cabinet et tuent le ministre de la guerre. Ils se font octroyer les pleins pouvoirs par une chambre terrorisée. Cette radicalisation du régime, elle va donner lieu à une épuration de l'opposition, à la suppression des partis d'opposition et à l'instauration d'un système parti unique, donc totalitaire. Ils vont éradiquer littéralement tous les cadres militaires d'ancien régime au sein de l'armée et mettre en place des officiers issus des rangs jeunes turcs. Tous les préfets et gouverneurs de province vont être nommés selon leur profil idéologique et en particulier leur adhésion au parti jeune turc. En février-mars 1914, plusieurs réunions vont décider de la déportation des populations arméniennes, mais il s'agit de déportations. Tous les biens de ces populations déplacées sont confisqués. Un élément va considérablement favoriser le projet des jeunes Turcs. L'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. Grâce à cette alliance, les Turcs bénéficient d'un apport important de technologies militaires et obtiennent de leur allié des sommes colossales pour alimenter l'effort de guerre. C'est d'ailleurs de longue date que la réorganisation de l'armée turque a été confiée à l'Allemagne. Mais avec la guerre, l'état-major du Kaiser envoie à Istanbul une importante mission militaire commandée par le général Liman von Sanders. Il devient inspecteur général de l'armée ottomane. Et c'est à ce titre qu'en 1921, il est appelé à témoigner à la barre du procès Tehlirian. Son témoignage ne peut être remis en question par les Allemands. À mon avis, déclare le général, tout ce qu'on appelle massacre arménien peut se diviser en deux moments. Le premier est sans aucun doute un ordre du gouvernement jeune turc de procéder à la déportation des Arméniens. De cet ordre, on peut rendre responsable le gouvernement, mais non lui en imputer toutes les conséquences qui ont suivi. Pendant le procès, son rôle est de disculper plus ou moins le gouvernement ottoman. Il ne nie pas qu'il y ait eu des déportations et que dans le contexte de ces déportations, il y ait eu aussi des massacres. Ça, il ne le nie pas. Mais il met tout cela sur le dos de décideurs subalternes. En fait, il tente de disculper les dirigeants. À la barre, le général von Sanders insiste. Je peux dire à notre décharge qu'aucun officier allemand n'a jamais participé à une quelconque mesure contre les Arméniens. Au contraire, nous sommes intervenus chaque fois que nous avons pu. Pour ma part, j'arrivais à Smyrne au moment où le préfet venait de chasser de leur lit 600 Arméniens et les avait fait mettre dans des wagons pour les déporter. Je suis intervenu et j'ai envoyé ce message au préfet. Si l'on touche encore un seul Arménien, je ferai fusiller tous vos gendarmes. Ce témoignage a souvent été cité dans les publications des années 20. Et il est encore aujourd'hui comme un exemple qui montre que si certains commandants militaires allemands s'étaient opposés aussi fermement aux Ottomans, ils auraient alors peut-être pu empêcher le massacre. C'est au cœur de l'Arménie historique que va se jouer l'essentiel du drame. À l'hiver 1914, l'Empire ottoman y ouvre un front face aux Russes.
il y a des Arméniens de chaque côté de la frontière. Ainsi, une partie de la population masculine arménienne se retrouve dans l'armée ottomane, une autre dans l'armée russe. Prétextant le passage à l'ennemi de certains soldats, les jeunes Turcs désarment en janvier 1915 les 120 000 Arméniens de l'armée ottomane pour les affecter dans des bataillons de travail. En fait, un autre plan est à l'œuvre. Ils vont être exécutés par petits groupes, parfois après avoir creusé eux-mêmes les tranchées qui leur serviront de fosses communes. Alors la question des volontaires arméniens du côté russe est un des arguments négationnistes pour justifier le génocide et les accuser de trahison, justifier aussi la déportation pour éviter un coup de poignard dans le dos, la cinquième colonne, etc. La radicalisation, elle est officialisée, elle se cristallise au mois de mars 1915, donc plusieurs mois après l'entrée en guerre. Elle se cristallise au cours de plusieurs réunions du comité central Jeunes Turcs qui ont lieu à Istanbul, à leur quartier général. Au cours de ces réunions, il est manifeste qu'on est passé de la volonté de déportation à une volonté d'extermination systématique des Arméniens. Le 24 avril 1915 marque le début des rafles dans la capitale, Constantinople. Plus de 650 intellectuels et notables arméniens sont arrêtés et déportés. Dans les jours qui suivent, ils sont plus de 2000. Dans tout l'Empire ottoman, c'est le même scénario. Une idée nouvelle et terriblement efficace. La déportation de toutes les populations civiles arméniennes vers les déserts de Syrie pour des prétendues raisons de sécurité. La destination réelle est la mort. Talat, alors ministre de l'Intérieur, écrit une note interne datée du 26 mai 1915. C'est une note de synthèse sur la question arménienne. Et il utilise cette formulation. Le problème de la réforme arménienne, écrit-il, devient un sérieux souci pour notre État. Et nous sommes en train d'envisager la solution finale à ce problème. Donc, ils ne savent pas encore comment, mais ils sont en train d'envisager la solution finale, une solution définitive au problème arménien. Un coup de théâtre se produit au procès lorsque l'un des avocats de Tehlirian vient apporter la preuve au tribunal que Talat Pacha est bien le responsable des massacres. Il présente un télégramme chiffré adressé par Talat Pacha, alors ministre de l'Intérieur, au préfet d'Alep. Les termes en sont clairs. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, aussi tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Ils avaient prévu de réduire le nombre d'Arméniens approximativement autour des 200 000. Et ils en ont déporté environ 1 300 000. Vous savez combien ont survécu à la fin? Entre 150 et 200 000, en Syrie et en Irak. Donc, de mon point de vue, ils ont été de parfaits ingénieurs sociaux. Et ils ont conduit tout cela avec une précision mathématique. Ce n'étaient pas des idiots fanatiques, des islamistes qui auraient organisé tout ça à cause de leur croyance ou de leur fanatisme. C'était des hommes d'État qui considéraient que l'unique moyen de sauver leur nation, c'était de réduire la population chrétienne à 10% de celle des musulmans. Et ils ont exécuté ce plan. L'élément qui résume peut-être le mieux l'idéologie jeune turque, c'est ce que les sociologues appellent le darwinisme social. C'est-à-dire une sorte de lutte pour la survie telle qu'elle existe chez les animaux appliquée à l'homme. Chez les jeunes Turcs, le darwinisme social est une quasi-obsession quotidienne. C'est eux ou nous,
Donc c'est le darwinisme social, c'est un petit peu cette vision des autres peuples qui empêche à la fois la création de cette future nation turque homogène, avec une économie nationale, donc essayant de boycotter aussi ou de récupérer les biens des populations encombrantes. L'idée qu'il menace la formation et la préservation d'un sanctuaire turc. Lorsque l'avocat de Terdelian présente le télégramme de l'ex-premier ministre turc, le procureur s'insurge. Il refuse que soit vérifiée son authenticité ou même que la pièce soit portée au dossier. En effet, les jurés n'ont pas à se prononcer sur la culpabilité de Talaat Pacha, mais sur celle de son meurtrier. Assise au milieu de la foule depuis l'ouverture du procès, une jeune femme écoute avec attention les débats. Elle attend son tour. Lorsque le président appelle Madame Christine Teshibashian, son allure ne laisse rien présager de son témoignage. Elle va pourtant bouleverser les jurés, car c'est une rescapée des massacres. La guerre constitue la condition nécessaire, absolue, dont les jeunes Turcs avaient besoin pour mettre en œuvre cette politique systématique. La guerre, ça enlève toutes les inhibitions. Ça libère la violence. Quand de surcroît l'État vous donne un blanc-seing pour accomplir, il me semble qu'à un moment, il y a une sorte d'ivresse de la pratique de la violence. On en devient ivre. C'est comme une addiction. À la barre, Madame Teshibashian déclare. J'étais à Erzurum. Et en juillet 1915, on a réuni toute la population arménienne de la ville pour lui ordonner d'en quitter les murs. On nous a dit que nous devions abandonner nos maisons parce qu'elles se trouvaient dans la zone des combats. Nous sûmes par la suite que c'était un mensonge et que seule la population arménienne allait être déportée. Le convoi comportait 500 familles. La nôtre se composait de 21 personnes. Nous avions loué 3 chariots à bœufs. Et nous emportions tout ce qui était possible, argent et nourriture. Lorsque nous fûmes dans la campagne, des gendarmes nous rejoignirent et entreprirent de chercher des armes sur nous. Ils s'emparèrent de nos couteaux, jusqu'à nos parapluies. Lorsque nous arrivâmes en vue d'Erzincan, on nous refusa le droit de pénétrer dans la ville. On ne nous autorisa même pas à boire de l'eau, au contraire, on nous obligea à remettre tous nos bœufs qui furent poussés vers les montagnes. Puis, on nous remit en route. C'est là que nous commençâmes à apercevoir des monceaux de cadavres sur lesquels il nous fallut parfois marcher, au point que j'en ai eu les pieds tachés de sang. On choisit alors dans le convoi 500 jeunes gens qu'on attacha les uns aux autres et qu'on précipita dans l'eau. Le courant était si fort que tous furent emportés et périrent noyés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous avons prié, pleuré. Nous ne savions pas ce qu'il fallait faire. Mais on nous refusa même le droit de pleurer. Et on nous poussa en avant à l'aide de barres de fer pointues. Nous arrivâmes à Malatya, le dos chargé de ce que nous pouvions encore transporter. Là, on nous conduisit sur une montagne où on sépara les hommes des femmes. Mais chacun des deux groupes pouvait apercevoir ce qu'il advenait de l'autre. Les hommes furent tous abattus à coups de hache. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes vinrent se choisir les plus belles femmes et les plus belles jeunes filles. Celles qui refusaient de céder étaient transpercées à coups de baïonnette et écartelées. Même les femmes enceintes n'étaient pas épargnées. Les Turcs leur ouvraient le ventre, arrachaient l'enfant et le jetaient au sol. Je le jure. Je le jure. On les appelle des bataillons de bouchers. C'est l'expression consacrée à l'époque. J'ai localisé environ 32 sites abattoirs où ces escadrons étaient à demeure. On croit souvent qu'ils se déplaçaient. Non, c'est les déportés qui se déplaçaient et qu'on déplaçait vers eux. Ces groupes de l'organisation spéciale avaient été retirés de l'armée pour être placés sous l'autorité du parti. Ils sont ainsi devenus une émanation directe du parti,
un peu comme les SS chez les nazis. Ces unités spéciales venaient principalement de trois origines différentes. Premièrement, les tribus kurdes. Deuxièmement, les nombreux immigrants musulmans du Caucase ou des Balkans. Ils éprouvaient de la haine à l'égard des chrétiens. Ils avaient perdu leur maison, ils avaient perdu leurs parents ou leur famille avait été tuée. Ils étaient donc vraiment haineux et avaient soif de vengeance. La troisième source importante, c'était les prisonniers de droit commun. Le parti Union et Progrès a vidé les prisons, et les assassins qui étaient emprisonnés, les criminels les plus endurcis, les psychopathes, sont devenus membres de ces groupes paramilitaires. Et ces unités spéciales ont été chargées du processus d'extermination. Durant le témoignage accablant de Madame Terjibashan, l'émotion gagne la salle d'audience. Les Turcs qui assistent au procès quittent leur place un à un. Tandis que le public manifeste haut et fort son indignation, le jury se montre visiblement très impressionné. Un des avocats de Tehlirian prend immédiatement la parole pour souligner l'existence avérée de milliers de récits comme celui qui vient d'être rapporté à la cour. Après des débats houleux qui ne semblent pas affecter le calme de Soroman Terlirian, viennent enfin les dépositions contradictoires des experts médicaux. Ils sont censés se prononcer sur la responsabilité de l'accusé. Le docteur Robert Strömer s'approche de la barre. Il déclare avoir examiné avec le plus grand soin le jeune Terlirian, tant au point de vue physique que mental. Il conclut que le jeune étudiant arménien est effectivement épileptique. Il ne l'est pas de naissance, mais il l'est devenu à la suite du massacre de sa famille, dont il a été le témoin oculaire. Pour lui, Soroman Terlirian était irresponsable au moment des faits. Sur les cinq experts médicaux cités à la barre, trois déclarent Terlirian responsable de son acte. Le procureur prend la parole et, s'appuyant sur la majorité des expertises, il insiste sur la responsabilité de l'accusé, souligne la préméditation et demande la peine capitale. Les défenseurs de Terlirian se livrent alors à de brillantes plaidoiries. Président, juge, juré, auditoire, même les huissiers et les policiers les écoutent religieusement durant 4 heures. Le premier avocat se concentre sur les massacres arméniens, montre la culpabilité de Talaat Pacha et rappelle que le verdict de la cour martiale de Constantinople en 1919 l'avait condamné à mort. Le second insiste sur l'image de l'Allemagne, considéré aux yeux du monde comme complice des Turcs massacreurs. Il souligne également qu'un acte de justice est indispensable pour démontrer que les Turcs étaient les alliés de l'ancien gouvernement prussien et que le vrai peuple allemand ne peut être solidaire de ces atrocités. Le jury se retire pour délibérer. Mais déjà, les paramètres de ce procès singulier alimentent la réflexion d'un jeune juriste polonais qui va laisser son nom dans l'histoire. Raphaël Lemkin. Après avoir lu les rapports sur le procès, il posa la question suivante à l'un de ses professeurs. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrête pas un homme, Talat Pacha, responsable de la mort d'un million de personnes. Il peut marcher librement dans la rue, alors qu'on arrête un homme parce qu'il en a tué seulement un autre. Ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi n'arrêtons pas d'abord l'homme qui a tué un million de personnes ? Son professeur le regarda et lui dit : Imagine un fermier qui a beaucoup de poulets.
Et ce fermier tue ses poulets. Qui s'en préoccupe? Ce n'est pas ton problème, tu n'es pas supposé intervenir. Il continua en expliquant qu'il s'agissait de souveraineté nationale. Et un État souverain peut faire tout ce qu'il veut de ses citoyens. Et Lemkin répondit alors, « Mais les gens ne sont pas des poulets. » Raphaël Lemkin sera à l'origine du mot « génocide ». Et ses travaux s'inscriront comme le fondement du nouveau droit pénal international qui permet encore aujourd'hui de poursuivre et juger des personnes accusées de génocide ou de crimes contre l'humanité. Mais en ce mois de juin 1921, même s'il a été établi que la victime Talat Pasha était un criminel au regard de l'histoire, on juge néanmoins un jeune homme accusé d'assassinat. La tension est à son comble dans le public qui attend le verdict. Enfin, le président du jury prend la parole. Les jurés de la cour criminelle de Berlin déclarent l'accusé non coupable de meurtre avec préméditation. Le 3 juin 1921, soit moins de 3 mois après l'attentat, Soroman Terlilian est acquitté, au terme d'un procès expédié en 2 petites journées seulement. Ce procès est particulièrement gênant pour la chancellerie allemande. L'Allemagne était la seule puissance en mesure de stopper la main du bourreau turc contre la population arménienne. Et elle ne l'a pas fait pour des raisons stratégiques, mais quelque part, elle porte cette responsabilité d'avoir laissé faire. En effet, l'Allemagne n'a jamais véritablement remis en question cette alliance de guerre avec la Turquie. Et elle a même tenté de contrecarrer tout ce qui risquait de la remettre en question. C'était la priorité absolue. Et à mes yeux, c'est ça le crime. C'était une alliance. Un pacte avec des meurtriers, dont on savait que c'était des meurtriers. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, il y avait cette idée impérialiste d'être, ou plutôt de devenir une grande puissance, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme la Russie. Et l'Allemagne considérait que le Proche-Orient pouvait être une base pour cela. Il y a alors eu cette déclaration funeste de l'empereur Guillaume II d'Allemagne lors de son 2e voyage en Orient, peu de temps après les massacres horribles contre les Arméniens, où il se définissait lui-même comme le protecteur des 300 millions de musulmans vivant à travers le monde. Ce qui explique largement le verdict d'acquittement qui est déguisé sous la forme d'une perturbation psychologique de l'accusé. Acquitté, Terlilian sort sous les applaudissements. L'ensemble du public et de la presse salue le verdict comme un acte de justice véritable de la jeune République de Weimar. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que Terlilian n'a pas dit toute la vérité. Si ses parents ont bien été massacrés, il n'a pas pu assister à la tuerie, encore moins être blessé et se retrouver enseveli sous le corps de ses proches. Car en 1915, au moment même du drame, le jeune Terlilian est engagé dans les groupes de volontaires arméniens qui combattent aux côtés de l'armée russe contre les Turcs dans le Caucase. Un an plus tard, quand les troupes russes pénètrent en Arménie jusqu'à Erzurum, elles ne retrouvent que 22 Arméniens sur les 25 000 qui peuplaient la ville. Le soldat Terlilian comprend alors qu'il ne reverra plus jamais les siens. Soroman Terlilian n'est donc pas vraiment l'étudiant en mécanique qu'il prétend être, comme le rôle de Kaloustian ne se réduit pas à celui de simple interprète. Les deux hommes font partie du même commando clandestin mis en place pour mener l'une des chasses à l'homme les plus extraordinaires du siècle, l'opération Nemesis.
Le projet voit le jour dès la fin de la guerre. Lorsqu'en 1918, les Alliés entrent dans Constantinople, la Turquie vaincue est montrée du doigt par la communauté internationale face à l'ampleur des massacres perpétrés à l'encontre des Arméniens. Aussi, le nouveau gouvernement turc, voulant se démarquer des responsables du génocide, organise tout de suite leur procès. Talat Pacha et les membres du Triumvirat Jeune Turc sont tous condamnés à mort, mais par contumace, car ils ont déjà été exfiltrés par leurs alliés allemands. L'Allemagne refuse l'extradition. Et donc, pour le parti Tachnak, il n'y a pas d'autre solution que de dire « Bon, bah, écoute, voilà, il faut qu'on se rende justice nous-mêmes. » Et il va y avoir une patiente organisation, tout à fait clandestine, de cette opération Némésis, c'est-à-dire l'opération Vengeance. Et alors, à partir de là, on réunit quelques jeunes gens qui ont des raisons tout à fait personnelles de vouloir tirer vengeance des assassins de leur famille, sinon de leur peuple. Et cette opération va être mise en place avec une dizaine de noms. Soroman Terlilian est donc un militant du parti Tachnak, entraîné au combat et qui n'en est pas à sa première mission. Il avait déjà, par exemple, exécuté un officier des services de renseignement turcs d'origine arménienne à Istanbul, qu'on appelle un traître, mais en fait qui était un officier. Il avait déjà une pratique. Ainsi, le choix d'éliminer Talat Pacha correspond à une stratégie du parti. Et Terlilian n'a pas seulement ordre de l'abattre, il a également pour consigne de se laisser arrêter pour que son procès propulse le génocide arménien au centre de l'actualité. Une opération de justice, de première réparation symbolique, et puis de rappeler cette cause-là, au moment où justement elle est en train de disparaître de la scène internationale du fait des circonstances de sortie de guerre, où on est fatigué de la guerre, où on doit renouer avec les anciennes puissances vaincues qui sont quand même toujours des marchés, des bouchers, des pays importants. La Turquie, même vaincue, reste un pays important. La Russie, même bolchevique, reste un pays important. Donc il est clair que les petites nations, ou la justice à l'égard des petites nations, pèse peu. Je pense qu'il y a une dimension presque personnelle. La Fédération révolutionnaire arménienne était le parti qui a investi le plus dans sa relation avec le comité Union et Progrès. Un climat de confiance. Ce sont des militants qui dînaient ensemble le soir à l'Île des Princes, à Istanbul, qui ont fait la révolution ensemble, qui militaient dans l'opposition à Paris ou à Genève, qui se connaissaient parfaitement, qui avaient des traits culturels communs, qui étaient francophones. Donc, pour eux, le génocide était inconcevable. Ils ne pouvaient pas imaginer une seconde que leur allié, avec lesquels ils avaient une telle intimité, pourrait aller jusqu'à cette extrémité-là. Donc l'opération Némésis, c'est un règlement. Certes, on exécute en quelque sorte la sentence par contumace, c'est présenté comme tel, mais je pense que c'est aussi une vengeance contre des gens qui ont trahi le parti. Entre 1920 et 1922, ce sont au total 8 hauts responsables jeunes turcs qui tombent sous les balles des vengeurs arméniens de l'opération Némésis. Il fallait vraiment que les conditions soient réunies pour que telle opération ait lieu. Il fallait rien précipiter, il fallait rien bâcler. Le détail avait son importance. Il y a un élément fondamental, c'est qu'au sein des jeunes turcs, il y a un Arménien Tachnak qui s'appelle Hraç Papazian, qui se fait passer pour un étudiant turc et qui, lui, va vivre totalement à la mode turque. Mais il est Tachnak. Et c'est lui aussi qui va renseigner les commandos. Et lui, il a été jusqu'à se circoncire.
Il a été jusqu'à porter, alors qu'il a sa famille a été aussi massacrée, il a été jusqu'à porter le cercueil de Talat Pacha le jour de son enterrement. Mais je pense que sans lui, il n'y a pas d'opération Nemesis. Après plusieurs années de combats contre l'occupation alliée et contre le sultan, Mustafa Kemal, héros de la Première Guerre mondiale, instaure en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman une république désormais turque. Mustafa Kemal n'a jamais été lui-même impliqué dans le génocide. Et deuxièmement, il condamna le massacre des Arméniens. Il traita les leaders du parti Union et Progrès d'assassins. Au Parlement, dans un discours qu'il prononça, il désigna les tueries de 1915 comme un acte honteux et il le répéta à plusieurs reprises. Non pas qu'il fût un défenseur des droits de l'homme, ou favorable à la cause des Arméniens, ou un homme altruiste, c'était un leader nationaliste. Mais dans les années 20, il pensait que pour établir une république turque, il devait prendre ses distances avec ses meurtriers de la première génération. Ce qu'il fit. Par contre, par la suite, il changea d'avis. Il y eut d'autres occasions où il sauva et protégea les leaders du parti Union et Progrès. La transformation de l'alphabet, qui est une des réformes de Mustafa Kemal, a privé les Turcs d'une partie de leur héritage écrit en ottoman. C'est une façon d'effacer, bien sûr, la mémoire du passé, la mémoire des événements de cette époque. Il y aura même d'ailleurs un institut d'études turques créé dans les années 30 qui va réinventer l'histoire de la Turquie, le berceau, la langue, etc. Et on ne peut pas, justement, dans ce nouveau mythe, la présence d'autres populations est encombrante et gênante. Comme un signe de cette évolution, en 1943, à la demande de la Turquie, l'Allemagne nazie transfère les restes de Talat Pacha de Berlin à Istanbul. Aujourd'hui, comme un héros national, on peut toujours y voir le mausolée qui lui est dédié sur la colline de Sisli. Non loin de là, se dresse également le mausolée d'un autre membre du Triumvirat impliqué dans les massacres. Enver Pacha. Le transfert de ses cendres à Istanbul a eu lieu il y a seulement quelques années, en 1996, comme une nouvelle provocation des autorités turques qui persistent à nier le génocide des Arméniens. Si les Turcs reconnaissent le génocide, alors ils devront réparer les torts commis. Ils devront rembourser et compenser les pertes subies par les Arméniens. Ils ne le veulent pas. Donc la première raison est matérielle. Quelles sont les raisons morales? Je les mettrai sur deux niveaux. Le premier, je l'appelle l'effet Pinocchio. Vous connaissez le personnage de Pinocchio. Plus il ment, plus son nez s'allonge. Les Turcs mentent depuis plus de 90 ans. La Turquie a un très grand nez maintenant. Ce n'est pas si facile de dire aujourd'hui « nous sommes désolés, nous nous sommes trompés ». L'autre raison a à voir avec l'identité nationale turque. Vous savez, les nations ont besoin de héros. Elles ont besoin de pères fondateurs, de grands hommes. Le problème que nous avons en Turquie est que nos héros, nos pères fondateurs, ont été si impliqués dans le génocide des Arméniens qu'il est difficile pour nous de considérer qu'ils sont des voleurs et des meurtriers. Quant à l'Arménie, elle doit attendre longtemps avant de devenir un État indépendant. Pourtant, à la fin de la Première Guerre mondiale, une petite république arménienne est créée sous les auspices des vainqueurs. Mais coincée entre deux grands voisins prédateurs et abandonnée par les puissances alliées, elle finit par succomber à l'entente de la Turquie kémaliste et de la Russie soviétique. Elle devient en 1920 et jusqu'en 1991 une des républiques socialistes soviétiques du Caucase. Quant à Soroman Dehlerian, il va vivre essentiellement donc au départ en Yougoslavie, et puis il va se balader entre le Maroc, le Proche-Orient et les États-Unis. Et là où il passe, dès qu'il rencontre des Arméniens, les Arméniens se mettent à genoux et lui baisent la main droite. Là où il est enterré, donc à Fresno, il n'y a pas son visage sur la plaque. C'est une main qui dépasse, la main qui a vengé le peuple arménien.